News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, ça va être affreux. On va parler de choses monstrueusement horribles que tout le monde déteste, mais qui sont tellement importantes au niveau de la nuisance, surtout sur les plantes de la maison, que je pense que ça va vous intéresser. Et on va surtout essayer de vous donner des méthodes pour les éliminer. Je veux parler des cochenilles qui actuellement sont la plaie de M. Roland Mott, ou plutôt de son citronnier. C'est une galère. Je suis à la limite de la dépression. Ah oui. Ouais, c'est très compliqué de les enlever. Alors, j'ai essayé plusieurs méthodes. Elles restent là. Elles sont encore là. C'est sur un citronnier. J'en ai déjà perdu deux l'an dernier à cause de ces petites bêtes-là. J'étais pas assez attentif. Je suis attentif maintenant. Mais malgré tout, elles sont très présentes. Oui. Alors, elles sont là. Sur les citronniers, c'est des cochenilles à bouclier, c'est-à-dire dans des espèces de pustules un petit peu arrondies. Ce n'est pas des cochenilles farineuses. Si, c'est des farineuses. Ah, t'as des farineuses? Oui, j'ai des farineuses, oui. Ah, mais ça, c'est parce que il fait trop chaud. Dans la serre, à l'extérieur, qui est maintenue hors gel la nuit, donc on a... T'as chauffé ? Uniquement la nuit, j'ai réglé de 1h à 5h du matin, s'il fait froid. Donc tu vois, ça reste quand même équilibré. Dans la serre, il fait entre 0 et 5 degrés. Alors, il faut dire qu'on assiste vraiment, ces dernières années, à une recrudescence des attaches de cochenilles. Ça vient, bien sûr, de l'évolution récente des pratiques phytosanitaires, c'est-à-dire que on n'a plus de produits, mais sur les cochenilles, au niveau amateur, il faut bien le dire, on n'a jamais eu vraiment grand-chose de très très efficace. Mais au niveau des professionnels notamment, c'est embêtant. Et il faut savoir que de plus en plus de plantes que l'on vous vend, en apparence totalement saines, sont en réalité porteuses. L'invasion des cochenilles et surtout l'accroissement des espèces qui sont présentes sur notre pays, c'est impressionnant. À la fin des années 80, alors sur le monde, on connaissait environ 5000 espèces. 5000 espèces. Aujourd'hui, on connaît plus de 8000. Entre 80 et maintenant. Mais en France, on a 121 espèces de nouvelles qui sont arrivées cette année en France. Ces cochenilles, qui sont des insectes, piqueurs, suceurs, sachant qu'il n'y a que les femelles qui sont méchantes pour nos plantes, les mâles, eux, d'abord, vivent pas très très longtemps et ils se nourrissent complètement d'autre chose. Je ne sais pas trop de quoi, d'ailleurs. Et les mâles, c'est ceux qui voyagent, hein, c'est ça. Ça ressemble pas. Le mâle, on dirait un moucheron, c'est minuscule. Mmh. Et je pense que ça se nourrit pas parce que ça vit un jour ou deux. En revanche, les femelles, elles peuvent vivre plusieurs années. Et pendant ce temps-là, elles vous bouffent vos plantes. Et puis, c'est très 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 prolifique. Ça pond, ça pond, et ça pond, et ça pond. Alors, il y a des gens qui se posent la question... Pourquoi j'ai des cochenilles alors que j'avais rien avant? Oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Pourtant, on les trouve dans l'air. Plancton aérien. Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi que les larves, elles, sont mobiles dans une grande partie de leur vie avant qu'elles se fixent. Et elles peuvent être un peu partout sur la plante. Donc, le vent peut les emporter, bien sûr. Comme c'est minuscule, ça vole. Mais surtout, ça vient souvent tomber sur le poil d'un animal ou les plumes d'un oiseau, et vous imaginez une cochenille minuscule sur un oiseau qui va faire quelques kilomètres, bah, ça se dissémine. Les fourmis aussi sont vraiment des transporteurs de ces cochenilles. Ça permet la dispersion des espèces. Quelles sont les conditions qui vont favoriser l'apparition et le développement des cochenilles? Pour ma part, je les trouve l'hiver sur les plantes d'intérieur, quand il fait un petit peu plus chaud, l'ambiance est un peu plus sèche, mais il faut de la chaleur quand même. Et il faut de l'humidité. Oui. Ah oui, parce qu'en plus, on vaporise nos plantes d'intérieur. L'air peut être sec et chaud, mais il faut qu'il y ait un peu d'humidité sur les plantes elles-mêmes. Et ça, ça aide. Donc, si vous avez des endroits qui sont un peu confinés, et c'est vrai qu'en cette saison, c'est difficile d'ouvrir la serre, de laisser le grand vent passer, etc. On veut faire l'inverse. Eh bien, dans ces cas-là, c'est extrêmement favorable. Faites attention aussi aux fourmis, parce que vous en avez plein qui vivent en commensalisme avec la cochenille, parce qu'elles se nourrissent de leur miel-là, comme elles font des pucerons, et elles vont faire en sorte que leur cheptel de cochenille, elles puissent les garder. Il faut contrôler tout ce petit monde-là pour que nos cultures restent vraiment bien en place. Et puis, dernière chose, ça va bien sûr dans le sens de Roland,
Les cochenilles sont des ravageurs de faiblesse. Il faut, quand les plantes sont stressées, quand elles ne sont pas dans les conditions idéales de leur développement, elles sont plus facilement attaquées, tout simplement. C'est d'ailleurs surprenant, dans notre serre, nous avons 3 agrumes, il n'y en a qu'une qui est touchée, et les autres n'ont absolument rien. C'est 3 espèces différentes. Oui. Donc il y en a une qui est beaucoup plus attractive, appétante, sans doute, que les autres. Tout déséquilibre, qu'il soit nutritionnel, donc la plante à la faim, vous l'avez mal nourrie, ou hydrique, elle a soif, par exemple, ou au contraire, elle a trop d'eau, eh bien, quand il est constant, quand il est répété, ça devient un terrain très très propice au développement de toutes les cochenilles. On va les repérer comment ? D'abord, le côté collant, qui est déjà le premier effet sur les feuilles, ça colle. Ça peut être des pucerons, ça peut être des trips, ça peut être tous les insectes piqueurs-suceurs font des miels là. En général, en hiver, c'est souvent la cochenille. Des pucerons, ils dorment, on les voit pas. Les alerodes, attends, les alerodes, on les voit beaucoup. Vous savez, c'est les petites mouches blanches qui sont sous la face inférieure des feuilles. Ça fait beaucoup de miels là aussi, des espèces de amas cotonneux, c'est les cochenilles farineuses, et puis comme je vous disais, donc ces espèces de petites coques, des carapaces, comme des petits boucliers. Il y en a sur les feuilles, mais c'est souvent plutôt le long de la nervure principale et sur les très jeunes tiges. Oui. On a beaucoup de ces cochenilles-là. Sur le limbe lui-même, non, beaucoup moins. Rarement, et puis on a la fumagine après qui va nous permettre de repérer. Ça, c'est pareil sur tous les insectes piqueurs-suceurs. Et la fumagine, moi, je la vois souvent plus avec les trips, notamment, parce que là, c'est vraiment terrible. Je vous disais que ça pond beaucoup, et c'est 300 à 500 œufs. Quels sont les dégâts ? On commence à voir les feuilles qui jaunissent. En tout cas, je te parle de ce que je constate, malheureusement. Et ça va jusqu'à la mort, carrément, oui, de la plante. Quand l'invasion est trop forte. Ouais. Évidemment, il faut qu'on s'en débarrasse. Je vais vous donner, moi, ma technique que j'ai déjà mise un peu partout, racontée des années durant sur RMC. Vous avez refait un article sur notre site internet Nujardin TV. Je vous le rappelle. Il vous faut 1 litre d'eau et 1 cuillère à café des 3 ingrédients suivants. Vous prenez du savon noir liquide, vous prenez de l'alcool, 60-90 degrés, peu importe, et de l'huile de colza. Vous mélangez doucement tout ce truc-là et vous allez pulvériser sur la plante. Alors attention, les végétaux duveteux, feuillage très tendre, etc., souvent ils n'aiment pas. Mais par exemple, sur les agrumes, il n'y a vraiment pas de problème, ça supporte bien. Sur les cicaces, les cactus, non, ça va pas non plus. Mais pour que ça soit efficace, il faut faire 2 traitements coup sur coup, à 1/2 heure d'intervalle. Et surtout, il faut répéter tous les 8-10 jours. Je disais 3 fois, mais maintenant j'en suis à dire jusqu'à temps qu'on s'en soit débarrassé. Les cochenilles farineuses, elles vont disparaître parce que ça va vraiment les avoir éliminées, elles vont tomber. Les cochenilles à bouclier, très souvent, vous avez l'impression qu'elles sont toujours là parce que le bouclier est collé et la cochenille qui est en dessous, elle, en revanche, elle est morte. Donc c'est plutôt les dégâts qui vont s'arrêter. Je voudrais quand même, parce que je sais que Roland, même ce genre de traitement, il n'aime pas trop faire, qu'on parle de quelques solutions complètement bio, à savoir des auxiliaires. Ah oui, auxiliaires. Pendant l'été, je veux bien le croire. Par contre, l'hiver, pour les trouver, c'est compliqué. On parle ça ne marche pas. Et puis la larve de chrysope, par exemple, ou Cryptolemus, qui est une petite coccinelle. Mais la difficulté, c'est de les faire venir, puisque souvent, on les trouve sur Internet ou on va les trouver en transport par la jardinerie du coin. Et l'hiver, ça se transporte plutôt mal. Leur action, elle se fait entre 15 et 30 degrés, donc plutôt quand il fait assez chaud. Donc la chrysope, c'est pas le plus efficace parce que c'est seulement les larves de chrysope qui sont efficaces et elles sont polyphages. Elles vont manger plutôt les pucerons d'abord, s'il y en a, et les cochenilles après. Cryptolemus montrousieri, ça c'est très très efficace. Ça peut être contestable parce que c'est une cochenille australienne. Donc est-ce que c'est vraiment très bien d'introduire un insecte Une coccinelle mangeuse de cochenilles. J'y arriverai pas, tant pis, merci beaucoup. Et puis on peut compléter l'action avec Leptomaxis dactylopi. C'est un hyménoptère, lui. Alors c'est une horreur, parce qu'il va pondre à l'intérieur même de la cochenille, et sa larve va manger la cochenille par l'intérieur. Mais vous vous rendez compte qu'un seul Leptomaxis peut parasiter 50 à 100 cochenilles par semaine. Donc comme il vit à peu près 3 semaines, mais il lui faut une température de 24 degrés. C'est ça le petit problème que l'on pouvait dire avec les cochenilles. Donc regardez bien Nujardin TV, on a 2 vidéos, une avec mon fameux anti-cochenille Miu Miu, une autre justement avec des auxiliaires, et ça vous donnera certainement envie de les éliminer.
J'espère que vous aurez apprécié cette émission. On va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine et on vous dit bienvenue au jardin. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous de plantes, de jardins, de jardinage, de botanique, eh bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien, vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.